Salut à tous, salut à toutes, c'est King Lizard ainsi que Benji et Bayouz, salut les gars. Salut. Salut. Et on est parti pour notre cinquième épisode sur Defiance. Allez, 3, 2, 1, go! Wouhou! Oh, le vol plané que j'ai fait. Ah, ils vont me rattraper! C'est pas par là! Youhou! Ok, je me saute fou, tu sais. Oh, j'ai un ennemi qui m'a arrêté net. Ah, je me suis bloqué. Non! J'y suis. J'ai gagné. Benji, pas deuxième. Trouvé l'entrée. Eh ben voilà. Eh, 2 points, Benji 1 point, et toi, Bayouz, bah 0 point pour l'instant. La triche. Allez, allez, on lance. Pas du tout. Bon. Oh, même pas de cinématique. Qui est grand là, tout ce que c'est. Vous n'avez pas à savoir comment ou par qui je l'ai obtenu. Les républicains n'assurent pas la protection des civils. À moins qu'ils soient terriblement importants. Je suis Karl von Bach. Tout ce que je fais est très important. Espèce d'arrogant tas de scrug. Ça suffit. Vous ne m'intimidez pas. En fait, la colère vous rend sexy. Mais où avez-vous déniché cette belle plante? Je vais te coller un uppercut. Oh! Je n'ai encore jamais essayé ce genre de pratique, mais avec vous, ça me tente. Et si c'est moi qui m'en charge? Tout de suite moins attirant. Cass, c'est bien ça? Je vois que vous êtes sobre et tout habillé aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous faites chez moi? On cherchait de l'aide. Ouais, j'ai parlé à Grant. Il m'avait pas dit que vous étiez installé chez moi pour y bidouiller une arche mère sur mon bureau. Vous êtes plutôt grognon, non? Personne ne devrait détenir ce genre de pouvoir. C'est trop pour un seul homme. Demandez aux rares survivants de la bataille de Défiance comme moi. Je vous assure que mon intention n'est pas de reproduire ce massacre. Sur ma liste de priorités de la journée, trouver la matrice des arches vient juste après me faire un sensot. Mais je rendrai ce service au capitaine Grant. Je vais rendre visite à Fallon McNeil, le pillarche local, voir ce qu'il sait. Personne doit savoir que vous avez l'arche mère. Alors me venir en aide était en deuxième sur sa liste. Je te laisse tout seul. Je vais aller boire un verre au cratère. Ok. Moi, j'avais plein d'armes après le mur. J'ai trouvé des infos sur John Cooper. Apparemment, c'est l'un des héros de la bataille de Défiance qu'on appelle les premiers défiants. Son autorité et sa réputation seraient un atout majeur dans notre recherche de matrice. Des études montrent que les retombées d'arches de la baie ont le taux de débris d'arcatec le plus élevé d'Amérique du Nord. Les chances de trouver une matrice intacte pour l'arche mère sont donc meilleures ici. Je viens de recevoir un appel de cette Cephiras, Ratus. Il a quelques soucis à sa ferme, apparemment. Ce vieux rustre voulait rien savoir des justiciers, et maintenant il vient pleurer. Allez y faire un tour. Moi, je reste à attendre McNeil. Bon bah c'est parti.
des alliés, eux. Ah bah tiens, je vais aller vendre des trucs. Du xénopétrole. On peut acheter... T'as vu qu'on peut acheter des nouveaux véhicules? Ouais, mais il faut de l'argent jeu, non? Ouais, du jeu, ouais. Je veux le trouver avant les autres mercenaires. Non, enfin, pas de l'argent, pas des crédits, hein, des... Ça coûte combien? 18 000. La plus petite est 18 000. Ah ouais. J'ai 14 000 encore, là. Apparemment, ça change juste qu'il... Alors, j'ai 10 000, hein. Les boosts, ils sont un petit... Vendu mes bonnes armes, non c'est bon. Bravo. Allez, on se met en position. Faire une course. Ah tu veux courir? Bah ouais. Même pas pousser là, attends. Attends, faut que je mette le point alors. Ouais, moi aussi. Ok. 3, 2, 1, go. Ah, vous prenez l'avantage. Je devrais peut-être vous donner des détails sur la matrice des arches, que vous compreniez mieux ce qu'on cherche. Il s'agit d'un composant de l'arche mère qui régule son IA supérieure. La matrice des arches n'est qu'un des deux composants Arcatech dont M. Von Bach a besoin pour son expérience sur l'arche mère. Le deuxième est l'arc à charge. C'est elle qui va fournir l'alimentation nécessaire une fois reliée au terra-conteneur. Bah voilà. Un guerrier Messoran. Beau spécimen. Il va falloir le tuer, bien sûr. Tu sens un guerrier Messoran. Et du people ici. Ah le voilà. Bah je suis passé. Ouais c'est ça ouais. Boum. Beau travail. Ils iront sûrement creuser ailleurs et frapper à une autre porte. Mais c'est la vie. Il en reste un. Traiteur de phéromones. Oh punaise. Ok dans les bottes de paille quoi. Ça devrait les retenir. Retournez à la maison. Il s'apprête à attaquer. Allez, on y va. Vous vous en sortez bien, continuez.
Tenez le coup. Voilà les plus gros. Ah. Go. Ah. Oh. Ah, j'ai volé. Il pousse Cooper et moi, disponible. C'est pas l'amour fou, mais ravi quand même qu'il vous envoie. Merci. Le truc là. Je détecte une concentration de phéromones. On devra enquêter. Bah allons-y, c'est pas loin. Le sol est saturé d'un type de phéromone artificiel. Je me demande si c'est ce qui met les Messorans dans cet état de frénésie. La piste mène vers le nord. Suivons-la. Ouais, il est décollé comme un fou pour moi. En plus, ça a sauté en, quand t'étais en l'air. Bah Vénard, t'as vénère du coup. Bonne hein. Je mets les gaz. Eh, la montagne, ça vous gagne. Pas ça, c'est radioactif. Oh, grave. Ce cylindre est plein de phéromones. L'attaque des Messorans est à coup monté. Suffit à grenaille à canon scié. Attends, je regarde si je l'ai sur mon dans mon inventaire. Ouais. Ouh, 247 fois. Arme de combat rapproché. Ah, ça démonte. Hein. J'ai l'air d'envoyer du lourd.